هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله وعليه وصحبه أجمعين وبعد. شفر السر الإسلام toute les louanges appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que sa paix et son salut soient accordés au sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, sur sa noble compagnon, sur tous les musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Chers et sœurs en islam, recevez le salut des gens du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète alayhi salatu wa salam, parlant de la fin du monde que nous appelons Yom al-Qiyamah ou As-Sa'ah, il a dit que le jour et l'heure de la fin du monde est réservé seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à savoir quand est-ce qu'il y aura la fin du monde. Vous aurez déjà observé dans certains endroits planétaires, il y a des gens dans certaines églises se sont trompés, ils ont trompé leurs fidèles, comme quoi 2007, 2018, ça serait la fin du monde. Nous en sommes encore là. Donc ça voudrait dire que seul Allah subhanahu wa ta'ala sait le jour où il y aura la fin du monde. Le prophète alayhi salatu wa salam, quand on l'a interrogé à propos de la fin du monde, il a dit qu'il ne sait pas. Mais néanmoins, il nous a avancé certains signes. Il y aura certains signes qui vont annoncer la fin de ce monde-là. Dans ces signes-là, il a dit Iza nusibal umur ila ghayri ahliha. Il dit quand, dans la vie de tous les jours, vous allez constater qu'on donne des postes à des personnes qui ne méritent pas leurs postes, quand on donne des responsabilités aux gens qui ne méritent pas ces responsabilités-là, fantasirosa, alors sachez que la fin du monde est proche. Chers frères et sœurs en islam, regardons autour de nous et regardez les responsabilités que nous assumons. Regardez les responsabilités que nous assumons. Soit on remet la responsabilité à une tierce personne qui n'est même pas capable d'assumer cette responsabilité-là et qui ne peut même pas dire non. C'est là où il y a problème. Quand vous ne pouvez pas assumer une responsabilité, ayez le courage au moins de dire non. Moi, je ne peux pas le faire. Remettez à telle personne. Elle est plus habilitée à assumer cette responsabilité-là. Ça ne se fait pas. Ce qui est encore plus grave, celui-là qui sait qu'il ne peut pas assumer une responsabilité, c'est lui qui s'empresse à ce qu'on lui remette cette responsabilité-là. Il est même disposé à aller corrompre les gens à ce qu'on lui remette cette responsabilité-là. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si vous constatez dans vos sociétés, dans vos communautés, qu'on remet des responsabilités aux gens qui ne les méritent pas, qui n'ont pas la capacité d'assumer ces responsabilités-là, fantasirosa, alors sachez que le jour de la résurrection est proche, ou bien est déjà arrivé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Ce que nous venons de dire n'est même pas étrange à qui que ce soit. C'est ce que nous vivons tous les jours que Dieu fait. Dans nos mosquées,
dans nos quartiers, dans nos sociétés, dans nos petites associations, tout le monde pense à ce qu'il aura comme gain, comme intérêt, et il met à la dernière position l'intérêt général. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste.